parle de politiquement correct, on parle de... Mais on ne ment jamais en politique. Et pourtant, quand on est tous dans les soins, que ce soit en tant que responsable d'un pôle, d'un service ou au contact direct des patients, de temps en temps, on se rend compte qu'on souffre de cette organisation des soins. Il n'y a qu'un seul mot de véracité depuis quelques années dans nos décideurs politiques, c'est « il n'y a plus de sous ». Ça, on le sait, il n'y a plus de sous, donc il faut faire avec. Je suis très heureux et très honoré d'accueillir le professeur Yves Matillon, qui est professeur de santé publique, qui a été chargé de mission auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et j'allais dire, on ne peut pas fonder une politique de santé si on n'a pas une vraie organisation de santé publique qui nous permet de... et qui ne ment pas, qui dit la vérité. Le nuage de Tchernobyl ne s'arrête pas aux frontières de la France, le VIH ne s'arrête pas qu'aux homosexuels, etc. Et donc, ça nécessite des vraies études de santé publique.